Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé hier soir, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Donc il est pas loin de 15h, parce que je me suis couchée tard du coup ce matin, donc tout en décalé. Et En là. train de me faire manger. Donc voilà, déjeuner en retard, hein, retardé. Du coup, j'ai décidé de me faire des petites merguez. Donc là, c'est au curry et puis l'autre, c'est viande mélangée ou au fromage, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, monsieur. Voilà, donc je mets de l'eau pour enlever les graisses hein, et puis après, ça va cuire. Et après, je vais manger ça, des gnocchis à poêler au flacon de pommes de terre. Donc je vais en laisser à la fois la petite parce qu'elle aime bien aussi. Puis je vais lui faire aussi des merguez tout à l'heure pour ce soir. À voir. Donc voilà pour mon petit repas et après je vais chercher. Donc là je vais prendre aussi jus d'orange sans pulpe. Il est très bon. Celui-là il vient de chez Lidl. Donc voilà. Je vais mettre du ketchup sur les merguez. Donc c'est la marque Heinz Tomato Ketchup. Donc celle-là elle est bien. Il n'y a pas d'alcool dedans. Et je vais en racheter, donc elle est bien. Et ensuite, je vais manger un yaourt au soja qui vient du Super U, donc il est super bon. Donc c'est soja sur le lit de mur. Et je vais me prendre aussi un petit bout de fromage, donc c'est chêne d'argent, pointe de brie, onctueux et gourmand. Il est super bon celui-là, je l'achète au Lidl aussi. Et puis du pain fait maison. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est ma mère, elle me l'a donné un petit peu, donc c'est pas marocain. Voilà, donc voilà pour mon déjeuner pour maintenant. Du coup, j'ai cuit les gnocchis dans la même poêle que les merguez, et du coup, bien grillé. Un peu de sauce quand même. Donc voilà, voilà pour mon déjeuner. Bon appétit à moi. À tout à l'heure. Donc là, ça y est, je me suis lavée, habillée, je vais aller chercher la petite. Et puis, voilà. Du coup, hier, j'ai pas acheté beaucoup de viande parce que c'est une boucherie qui vient. Il y a un petit moment qu'elle est ouverte, mais j'ai pas testé un peu leur viande. Donc, merguez au curry, j'ai pas trop aimé du coup. Donc, je pense que je vais plus en racheter. C'était juste pour goûter. J'ai acheté deux, trois trucs, je vous montrerai aussi plus tard. En cuisine, dès que je ferai cuire, parce que là c'est tout au frigo, au congélateur. Et voilà, je vais chercher ma fille, je vais m'habiller et puis voilà. Un crochet encore parce que j'ai pas trouvé des cadres. Donc est-ce que je mets des cadres en or ou argenté, donc ou de couleur noire, blanc? Dites-moi en commentaire sur. Sur ma chaîne, je ne sais pas quoi choisir. Donc voilà. Et puis en ce moment, on ne peut pas acheter en magasin tout ce qui est objet, tout ce qui est déco. Donc voilà. Autrement, je vais commander sur Internet. Donc dites-moi en commentaire ce que je pourrais mettre. Donc là, j'ai partagé avec mes parents. Je vais leur donner un petit peu de merguez. Voilà. Parce que j'en ai acheté un peu de trop. Et puis comme c'est. Ça consomme, c'est au frigo, donc pas trop laisser traîner. Et puis là, je vais leur emmener aussi des pommes. Parce que j'ai acheté une cagette de pommes, donc vraiment bonne. C'est un petit producteur qui vend ça. Donc c'est des pommes Lady. Donc voilà, super bonne et qui reste bien longtemps en conservation. Donc à conserver au frais, dans un endroit. Frais quoi, donc voilà, franchement je suis contente. Donc dès qu'elle va rentrer la petite, je vais lui donner une petite pomme, voilà, et puis je vais en emmener pour mes parents et puis je vais leur donner les merguez en plus, donc à tester pour se boucher, à voir. Donc voilà, je vais faire tout ça, un petit sac pour mes parents. Oui, c'est très bien. Donc là, je vais aller chercher ma fille. Hop. Hop là.
Ça y est, tu ranges? C'est bien. Et donc, voilà, ici. Allez, range tes baskets, c'est très bien. Me revoilà. Donc là, je me suis occupée de ma fille. On a goûté. Je lui ai fait quelques petits jeux. Donc là, elle a pris sa douche. Je lui ai donné sa douche. Et puis là, on va pas tarder à manger. Et du coup, là, je voulais vous montrer hier ce que j'ai acheté à Action. Donc, j'ai acheté un kit pour blanchir les dents. Donc, c'est tout écrit en anglais. Hein. Je peux pas... ça doit être traduit peut-être en français. Ah oui. Résultat après une semaine avec utilisation au quotidien. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Enfin, je vais tester, on verra bien. Mais je pense pas que je vais faire tous les jours. Hein, parce qu'il y a quand même des produits chimiques hein, dessus. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont testé ce produit-là. Me dire en commentaire si c'est bien ou pas c'est comme produit. Moi, j'ai voulu essayer. Donc, je verrai bien. Hein. C'est vrai que c'est les dents. Donc, faire attention. Hein. Donc, voilà. Il montre les étapes. Brosser les dents. Bon, il montre comment brancher l'appareil, mettre le gel dessus et laisser 15 minutes. Et ensuite, il faut rincer les dents. Et puis, apparemment, ça blanchit les dents. Donc, voilà, je vais tester ça. On verra bien. Après, il y a autre chose aussi. Ah, j'ai acheté aussi la poudre de charbon. Je sais pas. Attendez, je vais... Donc aussi, j'ai acheté la poudre de charbon, ça doit être ça, hein, ou c'est un gel, je ne sais plus. Bon, ça blanchit aussi les dents. Donc chez Action, les produits Action, c'est tout en anglais. Hein, donc si c'est écrit en français aussi. Poudre de blanchissement des dents. Donc je vais y tester aussi ça. Donc je verrai bien. Hein. Après, à me dire en commentaire si vous avez déjà testé, si ça fait un bon effet sur les dents. Et puis, niveau santé, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention. Moi, je vais essayer. Si ça ne va pas, j'arrête tout de suite. Hein. Et j'ai acheté en même temps aussi un petit kit comme ça. Donc, essayez. Je pense que je vais commencer par celui-là et après, je verrai la suite. Hein. Donc, si ça marche avec celui-là, je ne vais pas mettre le gel. Hein. Je verrai bien. Donc c'est un kit en stylo, je pense qu'on appuie là au dessus et puis ça sort le produit. Donc voilà, et puis avec le kit là j'ai acheté des recharges en plus parce que je sais pas s'ils en font tout le temps à Action, donc je me suis dit je vais prendre en plus, comme ça j'en ai en rab. Et puis comme je descends pas tout le temps à la ville à côté de chez moi pour faire les courses, enfin, ou aller à Action, je vais pas tout le temps, donc je me suis dit je vais prendre le total. Donc voilà, sinon ben je pense que je vais faire une autre chaîne YouTube, donc pour présenter plus les vlogs. Et puis sur la chaîne de Baye Lala Fafa, ça sera plus les recettes, donc je vais faire deux chaînes différentes parce que là c'est tout mélangé et je trouve que c'est pas trop bien organisé, je trouve. C'est un peu tout désordre. Donc voilà. Donc sur la chaîne de Baye Lala Fafa, ça sera les recettes. Et puis sur l'autre chaîne, ça sera présentation de produits, je pense. Et puis les vlogs. Donc voilà. À suivre. Je réfléchis. Vraiment, je suis en train de réfléchir. Hein. Donc voilà. Ensuite, bah, je vais vous montrer ce qu'on va manger ce soir et puis après je vais vous laisser. Hein. Je ne sais pas si la petite elle veut faire encore des activités. Elle n'a pas l'air motivée, je crois. Elle est devant la télé à regarder Jet. Elle aime bien parce que ça voyage et puis ça montre les choses aussi. Donc c'est bien, ça montre aussi les langues, comment dire bonjour à toutes les langues. Donc c'est sympa. Et puis c'est un dessin animé qui est correct, surtout. Alors, je vais vous montrer ce que ma mère m'a donné pour manger ce soir. Alors, du coup, je ne vais pas cuisiner parce que ma mère elle nous a donné une petite boîte. Je lui ai dit, tu ne nous en mets pas beaucoup parce qu'autrement, ça traîne. Donc, c'est des patates douces avec du raisin sec. Donc, voilà, genre tapé. Ah, bah oui, il faut les retourner, les chaussures, les sandales. Bon, des fois, elle met ses sandales à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Mais en général, elle les met bien. Hein. Les baskets et les sandales, elle les met bien. Tu les retournes? Allez, hop.
Allez, tu les retournes. Non, c'est à l'envers comme ça. Il faut les retourner. Non. Maman. Allez. Allez, on recommence. Oh là là. Bravo. Bravo, mademoiselle. Super. Elle a mis ses sandales toute seule. Donc, je vous disais, ma mère, elle nous a donné, du coup, je suis passée prendre les affaires de la petite. Et du coup, ma mère nous a donné un peu de quoi manger ce soir. Et puis, je vais lui donner aussi, faire à côté les gnocchis si elle veut manger. Ou ça. Avec un petit yaourt pour la petite. Et puis moi, je pense que je vais pas manger grand chose. Je sais même pas si je vais manger un petit peu avec la petite ça. Et puis, un petit yaourt ou une petite pomme. Je vous ai montré tout à l'heure, elles sont vachement bonnes. Et puis, franchement, je suis pas déçue hein, d'avoir pris la cagette. Bon bah je vous laisse hein, parce que je dois porter la petite. Donc là on est posé devant la télé du coup, on est en train de regarder Jet et puis on attend que son repas refroidit parce que j'ai un peu chauffé de trop. Maman, oui. J'ai un peu chauffé de trop le repas, donc on va attendre que ça refroidisse puis après elle va manger la petite. Donc sur ce, j'espère que mes vlogs vous plaisent et puis on verra pour la suite d'une création d'une nouvelle chaîne. Je vous en dirai un peu plus et sinon ben, laissez-moi plein de commentaires, plein de pouces bleus, abonnez-vous, c'est gratuit, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde.